إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Nous avons vu dans la dernière vidéo comment Allah subhanahu wa ta'ala sauvera les musulmans qui n'ont pas réussi au jour du jugement. Dans leur vie, ils ont souvent été concentrés sur une chose en négligeant une autre. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah « C'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins, modèles aux gens, tout comme le prophète alayhi salatu wassalam, vous êtes témoins. » Dans sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés et nous a enseigné de prier tous les jours. Pendant ces jours de notre vie et à chaque prière, il nous incombe de réciter la sourate Al-Fatiha. Et à la fin de cette dernière, que disons-nous? Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Un jour, un homme vint au prophète alayhi salatu wassalam en lui mentionnant une femme, de qui les gens faisaient les éloges pour ses prières, ses aumônes, ainsi que ses nombreux jours de jeûne. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit de cette femme qu'elle serait dans le feu. Elle le sera car dans sa vie, malgré le fait qu'elle faisait beaucoup d'adoration, elle causait beaucoup de tort à ses voisins, simplement avec sa langue. On a de cesse de le répéter, mais les péchés de la langue sont une des causes qui perdront le plus notre communauté. Le fait de critiquer, insulter ou même calomnier d'autres croyants, en négligeant ou en ne pensant pas au fait que pour chacune de ces paroles, ils auront des comptes au jour du jugement. Dans un hadith rapporté par Muslim, on nous rapporte qu'un jour, le prophète alayhi salatu wassalam demanda à ses compagnons « Savez-vous qui est le ruiné ?» Ils répondirent « Le ruiné, pour nous, est celui qui n'a ni argent, ni bien. » Le prophète alayhi salatu wassalam répondit alors « Certes, le ruiné de ma communauté est celui qui, le jour de la résurrection, viendra avec des prières, des jours de jeûne, mais il aura insulté un tel, calomnié un tel, fait couler le sang d'un tel et frappé un tel. Alors on donnera ses bonnes actions à celui-ci et à celui-là. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'on ait réglé ses comptes, on prendra une partie de leur péché et il en sera chargé, avant qu'en enfer, il soit jeté. » C'est exactement comme le cas de cette femme qui a passé sa vie à faire du mal à ses voisins, à cause de simples paroles qu'elle aurait prononcées. Un autre hadith pour nous faire comprendre définitivement les choses qui peuvent nous faire perdre nos actions au jour du jugement. D'après le compagnon Thauban radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Certes, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes comme la montagne de Tihama et qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. » Rappelons tout de même que la montagne de Tihama ressemble à cela pour avoir un ordre de grandeur sur le nombre des œuvres de ses serviteurs. Le compagnon demanda alors au prophète alayhi salatu wassalam « Ô messager d'Allah, décris-les-nous afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. » Le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit « Ce sont certes vos frères et ils sont issus de votre tribu. Ils prient de la nuit comme vous priez, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah. » Par ces récits, nous voyons bien qu'il est parfaitement possible que nos actions, aussi grandes soient-elles, soient gâchées ou données à quelqu'un d'autre avec qui nous nous sommes mal comportés. Les actions surérogatoires sont tout de même les œuvres qui nous apportent l'amour d'Allah. Ne perdons donc pas futilement nos œuvres pour des paroles ou des actes que nous regretterons dans l'au-delà. On rapporte qu'un homme que le compagnon Jabir ibn Abdullah avait entendu directement de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam un hadith concernant le jour du jugement. Pour cela, il acheta un chameau et voyagea l'équivalent d'un mois en direction du Sahaba, ce qui nous montre l'intérêt pour la science de la part des meilleurs des musulmans. Et il lui dit, il m'est parvenu que tu as entendu un hadith de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le jour du jugement. Je suis donc venu pour l'entendre avant que tu ne meures ou que je ne meure avant toi. Il lui répondit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Allah subhanahu wa ta'ala rassemblera les hommes ou les serviteurs
nu, incirconcis et totalement démuni. L'homme l'interrompit et lui demanda ce qu'il voulait dire par démuni. Le compagnon répondit que ce jour-là, les serviteurs seront démunis d'absolument tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala les appellera d'une voix qui sera entendue par le proche, aussi bien que par l'éloigné. Je suis le roi, je suis celui qui rétribue. Et il ne convient pas que l'un des habitants du feu, qui avait en ce bas monde quelques droits sur un des habitants du paradis, entre en enfer avant que je ne lui rende justice. De même, il ne convient pas qu'un habitant du paradis entre au paradis sans que je ne rende justice à celui des habitants du feu ayant droit sur lui dans cette vie d'ici-bas, ne serait-ce qu'une gifle. Que dire alors de celui qui aura passé une vie pleine de négligence et d'injustice, et espère qu'au jour dernier, à cause de quelques bonnes actions qu'il aurait faites, son jugement soit facilité. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب